précédemment dans l'épisode précédent. La mort apaise tous les maux. Ouais, ou sinon tu veux simplement me tuer, comme ça tu récupères les ceintures, et comme ça tu pourras dominer le monde, hein. Pour redonner à l'univers son équilibre, j'ai besoin de tous les ceintures. Et nos deux mondes ne font plus qu'un. Et c'est quoi ton monde? La mort. C'est bon. Je crois qu'ils aient trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est tenu à une des ceintures. J'ai mis un tracker en dessous de sa voiture, donc on pourra le suivre. Appelle papa bro. Allô? Ouais, c'est moi. T'es où? Je suis dans l'appartement de Tonio. Tu fais quoi là-bas? Tu te rappelles quand je t'avais parlé d'un truc qui nous dépassait? Un truc au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer? Tu es vraiment sérieux? Parce qu'on continue à chercher un truc bidon alors que j'ai besoin de toi. Mais attends, je crois que j'ai... Tu te rends pas compte que j'ai besoin de toi maintenant pour les ceintures. Reste concentré sur la mission. Ok. Désolé. Rejoins-moi tout de suite. Signal. Bonjour monsieur agent. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus haut, il y a eu un accident. Le choc a été tellement violent que le conducteur est mort sur le coup. Vous allez bien monsieur? Et un vu de plus proche, vous avez un lien de parenté? C'est mon fils. Donc vous êtes monsieur Pébro. Il y a quelques instants, on a appelé votre famille pour annoncer la mauvaise nouvelle. Toutes nos condoléances. Merci. Vous avez deux petites minutes, on a besoin de vous poser des questions pour l'enquête. Caporal? Allô? Je suis arrivé. Olivier a fait un accident. Il est mort. Quoi? Faut qu'on se dépêche pour récupérer les ceintures. Tu t'en fous? Tu es où? J'arrive, je suis en route.
Merci. Ça va? Je vais bien, je m'occupe bien, je dors bien, j'occupe parfaitement mes journées, et je viens avec un meurtrier. Meurtrier? Donc tout ça c'est ma faute? Bah c'est la faute de qui alors? Qu'est-ce que t'es naïf toi? Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. D'ailleurs tu peux pas... Tu me dis rien! Ça fait des années qu'on est ensemble, tu me parles pas, tu me dis rien! J'ai toujours été là pour toi. Ma mère ne t'aimait pas et je suis restée avec toi. Tu ne dis rien, on communique pas ensemble, on partage rien. Tout le temps t'es pas là, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire un truc avec les enfants? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu dis rien. Mon fils est mort. Mon fils est mort. Tu t'écoutes. Arrêtez là! C'est ce bleu là! Toi va là-bas! Et toi va là-bas! Attends, je passe d'abord! Vous voyez là? C'est pourquoi elle est comme ça? Parce qu'on n'est pas une famille! Une famille doit s'aimer, peu importe les moments. Une famille doit communiquer, peu importe les moments. Là, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai brodé là. Le jour où je suis arrivé, je me sentis comme chez moi. Et de jour en jour, ça s'est dégradé. Et maintenant, j'ai plus d'inspi. Genre vraiment. Ça pour dire que, de là où ils nous regardent, il aurait voulu qu'on soit unis. J'ai trouvé la solution pour sauver Olivier. T'as pas entendu qu'à me dire? Bonjour. Pardon? Bonsoir. Alors comme ça tu te barres du jour au lendemain? Et ouais, si c'était à refaire, je le referais. Pardon? Y'a pas que toi sur Terre, tu sais qu'on est 7 milliards? 8 milliards. Ouais, 8, c'est vrai. Alors comme ça t'arrives pas à compter? Si. Regarde, là on est un de moins. Ça fait combien? Daniel! Oh le chien! Elle fait bellec gros. Un Rottweiler plus précisément. Toi je vais te défoncer toi. Dis donc. C'est qu'il a de la force, le ptio. Ça pousse à la salle. Fitness park. 100 kilos développé couché. Tu fais 88 kilos. Faut que tu progresses. Tu vas y arriver. Je suis pas un homme parfait. Je ne suis pas un père parfait. Je ne suis pas un mari parfait. Mais je vous demande de me faire confiance une dernière fois. J'ai besoin de vous parce que ce n'est pas fini. Mais de quoi tu parles, wesh? L'homme plus méchant, il est mort. Il n'est pas mort. Il est là. Et il nous attend.
Parfait. Je ne peux pas réussir tout seul. Je vous en supplie. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour éliminer cette chose. Pour qu'on soit enfin tranquille. Je te suis. Je te follow. Je suis. Moi aussi. Je te suis aussi, frère. Tu viens ici? Ben, je suis là, frère. Hé hey. Comment ça va? Comment toi? Ça va marcher? Tranquille. Tout douce? Tout douce. Je suis là, frère. Lâche-moi, même. D'accord. A plus tard. Daniel, montre-nous. Ça sort de ses fesses, hein. Ça choque personne. Wesh! C'est qui lui? C'est Spider-Man! Ouais, c'est lui! Tu peux le ramener? Ah, oh, merde, je me suis trompé! Désolé, monsieur, hein, j'adore tous vos films! Au revoir! Mais tu fais quoi? Fallait faire venir! Vas-y lui, wesh! Hein, on a une star, il l'enlève! Ah, ouais, merde! Putain, c'est vrai! Ouais, mais c'est trop facile pour le scénario, et puis en plus, on n'a pas le budget! Ouais, de ouf! Ouais, non, c'est... Mmh. Bon, je vais ouvrir le vrai portail, vas-y, les cartes en bas! Viens, on va aller! Ouais. Je te dépose. Ouais, je vais partir devant toi. C'est le dernier RER. Hein.